Thank you.
Thank you.
Samantha, que je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. Oh, je t'aime. Voyons, Ricky, c'est impossible. Tu es mon ami. Vous êtes trop bas de plafond pour comprendre. Derrière l'amitié se cache parfois l'amour. C'est trop romantique. C'est trop gnangnan surtout. C'est sûr qu'avec un cerveau de crevette, tu peux pas comprendre. Non, pas ça! J'ai horreur des films d'horreur! Trop cool! Ah, si seulement je pouvais être son amie! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, rien! Pourquoi les filles et les garçons ne se mélangent pas? Tu connais vraiment rien, ma pauvre Cindy. Les garçons, ça aime rester entre potes. Mais oui! Pour devenir amie avec Ahmed, être un garçon sera mon remède. Garçon normal. Eh ben voilà. Salut Ahmed, la pêche. Je m'appelle Samy et je suis nouveau. Moi, c'est Ahmed. Bah ouais, je sais. Non. Sinon les filles, elles sont cool dans ta classe. Ouais, ça va. T'as vu ça? Je fais de la muscu. Cool, non? Salut, je m'appelle Tamara. T'es nouveau? Oui. Ah, super! T'es dans
dans quelle classe? Je peux t'aider à rattraper les cours si tu veux. Il connaît pas encore sa classe. Je le conduis à la vie scolaire. Voilà, il me conduit à la vie scolaire. Les filles sont vraiment bizarres. Et les garçons, ils sont pas bizarres peut-être? Enfin, c'est sûr que cette Tamara, ouais, elle est grave zarbi. Et sinon, tu fais quoi avec tes potes? On se marre, on fait du basket, on joue de la guitare. Et on aime bien aller au ciné aussi. Faut que j'aille en cours. Ça dit d'aller au ciné demain? Ok. Maintenant que je sais ce qu'ils aiment... On va voir si une fille, ça peut être amie avec un garçon. Hey, vous savez comment on appelle un ascenseur au Japon? Non. Bah, on appuie sur le bouton. Elle est bonne, hein? Salut les gars. Hey, Neymar, le prof de maths, vous connaissez son prénom? Jean. Jean Neymar. Vous connaissez la blague du papier? Elle déchire. Vous savez ce que c'est un prof de maths un soir de pleine lune, hein? Un loup-garithme. Un loup-garithme. Allez, allez, va. Ahmed, comment tu la trouves, Cindy? Elle est un peu bizarre, mais tu la trouves pas trop cool quand même, cette fille? Moi, je la trouve super cool! Bonjour! Oh, maman! Madame Ferrixen, bonsoir! Je suis Samy, le petit ami de Cindy. Mais c'est formidable! Le petit ami de Cindy? Salut, moi c'est Grégor. Mais tu peux m'appeler Greg. Alors, l'école, grave cool. T'es pas le premier de la classe, au moins. T'es l'amoureux de ma sœur. T'aimes souffrir? Et ta sœur, elle est super microbe. C'est même un vrai bonheur d'être avec elle. Mais au fait, où est-elle? Elle est aux toilettes. Je vais la chercher. C'est qui ce Bella? Il est grave cool. Et quand est-ce qu'on peut l'inviter? Je vois vraiment pas ce qu'il trouve. Je trouve qu'il manque de classe. Sortez tous de ma chambre. Mamounette, papounet, je peux aller au cinéma demain? Bien sûr, ma chérie. Maman, moi aussi je veux aller au cinéma. Dans tes rêves! Si on voit avec lui, ma vie sociale est finie! Allons, Cindy, emmène ton petit frère avec toi. Ça va être formidable! Toi, tu vas voir le cimetière des zombies et moi, je vais voir un autre film. On se retrouve après. Pardon, je suis en retard. Ça te dit alors d'aller voir Un cœur à prendre? C'est pas trop mon truc, les comédies romantiques. Ah bon? Pourtant, c'est bien les histoires d'amour. Moi, je vais aller voir le cimetière des zombies. Non, mais ça va pas. T'aimes pas les films d'horreur? Ça te dit d'aller voir Un cœur à prendre? Ah, justement, Samy vient de me dire qu'il voulait aller le voir. Allez-y ensemble, on se retrouve à la fin. Ah non mais pas du tout, moi je veux voir le film avec les zombies qui font peur. T'as raison, c'est mieux, je viens avec toi. Oh non. Je peux avoir des pop-corns? Ouais, si tu veux. Ah, mais j'ai mon lacet qui était fait. Je reviens, tu me raconteras. Je veux rien louper. Oh non, allez, marche, marche. Tom? Oh, salut, Samy. T'es avec ma sœur?
Oui, elle est encore dans la salle. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me lave les mains. Super le film, hein? Ouais, bof, les zombies, c'est naze. Ouais, t'as raison, en fait, j'aime pas trop, moi non plus. Ça fait un peu peur en plus. Mais le dis pas à ma sœur. T'inquiète, parole de troll. Tu sais, Samy, en fait, c'est cool que tu sois le copain de ma sœur. Bon alors écoute, Tamara, il faut que je te le dise, toi et moi, ce sera... Merveilleux, incroyable, phénoménal. Impossible, Samy sort déjà avec ma sœur. Dire que je me suis tapé ce film débile pour rien, ça m'étonne pas que t'aimes les films de zombies quand on voit la tronche de Cindy. Ouf, merci, je t'en voudrai ça. Si tu vois ma sœur, dis-lui que je suis rentrée. Alors, comment est-ce que t'as trouvé le film? Super, non? Super, ouais, ouais. Et toi, comment tu trouves Cindy? Cindy? Cindy Fairixen! Moi, je la trouve géniale! Drôle, intelligente, sportive, pleine de surprises! Pas du tout comme Tamara. En plus, je crois qu'elle t'aime bien. Je pense que vous pourriez vraiment devenir potes. Ah ouais? Je suis sûr que vous êtes fait pour vous entendre. Absolument sûr! Ah, Samy! Bon, d'accord, je dois vous avouer quelque chose. C'est moi, Cindy. Je me suis transformée pour devenir l'amie d'Ahmed et je suis coincée en garçon. Ma petite chérie, quel beau jeune homme tu fais. Je te préférais en garçon. T'es sûre que tu veux changer? Bonjour, Madame Fairixen. Mademoiselle. Je voulais savoir si Cindy était là. Je voudrais l'inviter à... Hey, Samy, qu'est-ce que tu fais là? Samy est le petit ami de Cindy. Quoi? Mais papa! Mais papa, pas du tout. Enfin, si, mais non. Cindy vient de me quitter. Tout va bien. Je veux laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Mon pote, je te jure, quoi qu'il arrive, je sortirai jamais avec Cindy. Quoi? Entre potes, on serre les coudes. C'est beau, l'amitié entre garçons. Ah, enfin le premier jour du printemps. Après cet hiver moisi à moi le soleil, je vais enfin pouvoir faire bronzer mon corps de rêve. Hey, Rasmo, ouvre tes narines. Sens-moi ça. Alors, ça t'évoque rien? Ma parole, ça pue le vieux poisson. Oh, on se secoue. Allez, la marmotte, allez, on se réveille. Hey, Rasmo, tu sais l'heure qu'il est? Il est l'heure du bain. Alors, elle est pas bonne, hein? Ça remet les idées en place, ça, hein? C'est froid et ça pue. Et ça mouille. Quoi? Tu veux qu'on aille plus vite? Tu veux des sensations? Tu veux faire du ski nautique? Eh bien, t'as qu'à lui demander à lui! Je raffole des crevettes. Fini de faire trempette? Je sais ce qui ne va pas. Tu sais quoi? Il te faut un nouveau look! Waouh, génial! Exact, je suis génial. Et toi, t'as toutes tes salopettes à changer. Attends, carrément bouffé de la morue. Refaire ton visage coûterait trop cher. Il te faudrait des sandales compensées. Voilà le chef cuistot. Je reviens du marché, une poule dans mon panier. Le fromage c'est fini, ce soir y'a poule au riz. Avec une poignée de persil, y'a rien de meilleur que la poule au riz. Même Benny a l'air en très grande forme. Quoi? Quelle erreur! Il veut dévorer cette pauvre petite bête! Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Je ne le laisserai pas commettre ce meurtre! Hein? Oh non! Ça va lui mettre le feu! Au moins une heure et demie de cuisson! Court bouillon. Au moins une heure et demie de cuisson. Et une fois que c'est cuit, tout le monde dit oh là là, c'est bon. Ouais, super, Lara.
J'y arrive pile à temps, on dirait. Moins une, tu passais à la casserole, ma cocotte. Ma boule! Rends-moi ma boule! Rase-moi, sauver la princesse des griffes de l'ogre. C'est le genre de truc que je fais sans même y réfléchir. Oh, rassure-toi, mon enfant. Tu n'as plus rien à craindre. Regarde-moi dans les yeux, je t'ai sauvé. Hey, Don Quichotte, qu'est-ce que tu comptes faire de ta poule? Je vais lui rendre sa liberté. C'est très, très généreux. Elle a le droit divin de déployer librement ses ailes et d'aller rejoindre les aigles tout là-haut dans les nuages, de naviguer dans les plus hautes sphères. Envole-toi, va noble créature, sans le vent glisser sous tes ailes. Suis ta destinée. Va, fier volatile, vole. Envole, ton volatile, il a pas l'air trop à l'aise. Elle s'est pas volée. Pourquoi elle me l'a pas dit? Elle s'est peut-être pas non plus parlé. Dans les bras de Papa Benny. Tu nous as fait une des effrayeurs. T'as plus rien à craindre, gamine. Le commandant Rasmo va faire de toi une championne de voltige aérienne. Et la voltige aérienne, ça me connaît. Je suis un spécialiste. Alors écoute-moi bien, gamine. Pour être un as du ciel, il faut une confiance indéfectible, des nerfs d'acier, une volonté de fer et une détermination sans faille pour monter tout là-haut, 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 là-haut. Regarde ce que je fais. Fais. Allez, vas-y, fais comme moi. Fais. Oui, c'est ça. Fais. Vas-y, encore. Agite les ailes un tout petit peu plus vite. Tu décolles, lâche les temps. Bon, ça suffit, Rasmo. Faut arrêter le délire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle était à deux doigts de décoller. C'est impossible, mon vieux. C'est en totale contradiction avec les lois de Darwin qui stipulent que la surface de l'aile par le carré de la masse égale à une hippotome à deux pattes à plumes. Tu piges? Mets-le plutôt au régime et paye-lui un billet d'avion. Une chance que tu sois là. Un peu plus, j'allais mourir idiot. Bon, maintenant, si ça t'ennuie pas, mademoiselle ici présente doit aller faire un vol. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette poule volera. Je m'énerve, mais je m'énerve. Je sais pas ce que je veux. Yes, c'est prêt. Alors, c'est bon, t'abandonnes? Désolé, je peux pas te parler, je travaille, excuse une autre fois. Patty, viens voir Papa Benny. Ah, Patty, la poule. Ah, je savais bien que je te retrouverais. Vole, ma poulette, vole. Tu frises gravement de ridicule, hein. C'est ça que tu appelles voler? Elle bouge même pas les ailes. Voler. Oui, mais c'est ça. Mais voilà, elle bouge les ailes maintenant. T'as rien à dire là, hein? Vole, vas-y, ma cocotte. Attention, faut pas de la cheminée. On dirait ce qu'on voudra, ça fait quelque chose de voir ça. Oh, ma petite puce vole. Excusez-moi, monsieur le marionnettiste. Pas maintenant, rapido. Ma petite fille vole, elle vole, regarde. N'importe quoi, tu sais pertinemment que sans son moteur, elle tient pas de 10 secondes en l'air. Bien sûr que si, elle vole, regarde ça. Je te dis et je te répète que sans cette prothèse motorisée, cette poule ne vole pas.
Non, là, elle vole pas. Elle se vautre. Asseyez. Je sais comment la faire voler. C'est plus qu'une simple affaire de matériel. Voici le dernier cri de la technologie Radbord. La poule Bord. Un chef-d'œuvre aéronautique conçu tout spécialement pour la poule terrienne. Existe en différents coloris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir... Poupoule Poneyton. Je me sens toute chose. C'est émouvant, non? Mise à feu. Patty, 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 Patty. Où es-tu? Que t'as entendu? Oui, décollage réussi. Je te signale qu'il faut qu'elle batte des ailes, ta poule, si tu veux avoir une chance qu'elle soit reconnue officiellement comme oiseau volant. Et il va de soi qu'elle est disqualifiée si elle se mange la cheminée du cargo, ce qui n'est plus qu'une question de seconde. C'est vrai que ton élève est très douée. Elle a su très vite maîtriser notre engin. Elle a de la classe. Je vais y arriver, Marie. Marie? Wow, la classe! Tu sais, c'est le plus grand jour de ma vie. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de l'aviation. Ils disaient tous qu'on n'y arriverait pas. Ben moi et ma poule, on l'a fait. Au revoir, Marie! Bon voyage! Envoie-nous tes nouvelles! Rapido, regarde! Elle a tout de suite retrouvé les siens, c'est pas merveilleux! J'ai atteint le but de ma vie, au-delà de toutes mes espérances! Je suis un héros! Tu mériterais même d'être président de ton fan club, toi! Je suis le meilleur! Les papiers!